Bonjour et bienvenue pour cette première table ronde de la journée Gérer et régénérer qui s'intitule Produire et protéger la nature au cœur de l'économie. Nous avons aujourd'hui avec nous six intervenants que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, Monsieur Stéphane Haller, qui est fondateur et président de Reforest Action. Bonjour, monsieur. Docteur Sandrine Durie, adjointe au directeur du département Environnement et Société du CIRAD. Bonjour, madame. Monsieur François de Rugy, député de Loire-Atlantique et ancien ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour. Monsieur Antoine Robuchon, directeur général adjoint de Citeo. Bonjour. Et puis nous avons aussi en visio, donc docteur Anne Mottet, responsable de politique élevage, d'élevage à l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Bonjour. Bonjour. Et nous serons rejoints aussi dans peu de temps par Dr Souad Taibi, professeur associé à Audencia, donc, qui nous rejoindra un peu plus tard. Donc aujourd'hui, le sujet qui va nous intéresser, c'est de savoir comment nous pouvons produire et consommer tout en protégeant, voire en mieux régénérant les écosystèmes au sein desquels nous vivons au lieu de les appauvrir. Puisque il semble que les systèmes aujourd'hui de consommation et de production ne sont pas durables. Néanmoins, la prise en compte de ce capital naturel semble difficile et de nouveaux modèles d'économie, d'indices, d'outils semblent nécessaires pour prendre en compte, s'intégrer dans la nature plutôt que d'être en surplomb de cette nature. Et donc, penser cette nouvelle économie régénérative va être un véritable défi du 21e siècle. Pour débuter cet échange, qui se déroulera en quatre axes, donc avec d'abord peut-être un état des lieux de la situation, un point sur les causes et l'historique de ce sujet, et ensuite des échanges sur les solutions. Donc, excusez-moi, oui, donc nous aurons cet échange sur ces quatre sujets-là, ces quatre axes. Et ensuite, nous prendrons bien évidemment en compte les questions que vous pouvez poser tout au fil de l'échange. Et nous les prendrons en compte dans un second temps ou au cours de la discussion si cela est nécessaire. Donc, pour commencer, on va s'intéresser peut-être à voilà, l'état des lieux pour poser un peu un diagnostic. Je vais d'abord peut-être poser une question à Dr Anne Mottet, si elle nous entend bien, puisque vous avez développé des outils et réalisé des analyses et évaluations globales sur des sujets liés à l'élevage, aux ressources naturelles, au changement climatique et à l'agroécologie, avec une vision internationale. Et donc, ma question, ce serait de, voilà, est-ce que vous pouvez nous faire part de votre diagnostic sur la situation quant à l'impact des systèmes de production sur la biodiversité? Merci. Alors, c'est une très bonne question et puis c'est pas une question facile à répondre parce que l'évaluation de l'impact de notre agriculture sur la biodiversité, comme vous le disiez, ça demande des méthodes, des cadres d'analyse, des indicateurs qui sont pour certains encore en cours de développement. La mesure de l'impact sur la biodiversité, c'est assez complexe. Alors, la consommation d'eau, par exemple, c'est plus facile, mais ça demande aussi quand même des efforts un peu méthodologiques. Et la biodiversité, c'est compliqué. Par exemple, si on prend les systèmes d'élevage, eh bien, il y a quelques mécanismes différents à considérer. Alors, il y a par exemple, quand on introduit des espèces pour, par exemple, améliorer les conditions fourragères dans certains systèmes, on peut perturber les écosystèmes en amenant des espèces exotiques, par exemple. Après, d'un autre côté, il peut y avoir des effets sur la biodiversité qui maintiennent la qualité de l'eau. Il y a plusieurs axes à considérer et on n'a pas vraiment de chiffres évidents à donner. Je ne peux pas vous dire c'est 40%, 50% de biodiversité qui disparaît à cause de l'agriculture aujourd'hui. Surtout que c'est très dépendant du contexte et de la zone où on se trouve. Malgré tout, on sait qu'il y a des impacts très importants. Par exemple, si on regarde les chiffres qui ont été produits il n'y a pas longtemps, quelques années, d'une étude qui regardait toute la biomasse sur la Terre, on s'est rendu compte que si on regardait juste les mammifères élevage représentaient presque 60% de la biomasse. Les humains, on était autour de 35-40%. Et puis, bah, la biomasse des mammifères sauvages, c'était quelques pourcents seulement. Donc, il y a des chiffres qui nous montrent qu'on a quand même un système de production de notre alimentation aujourd'hui qui représente énormément
d'animaux, par exemple, mais aussi d'hectares, et donc avec des impacts qui peuvent être très importants sur des écosystèmes qui peuvent être fragiles ou plus résilients dans certains cas. Merci beaucoup pour votre réponse. Effectivement, on voit bien qu'il y a cette difficulté à quantifier ces impacts, mais aussi peut-être à quantifier justement l'apport des écosystèmes pour l'économie. Et Madame, le docteur Souad Taibi nous a rejoint en ligne, et donc elle s'est intéressée notamment à des outils pour quantifier peut-être le capital naturel. Et donc c'est la question que je souhaiterais lui poser par rapport à ces outils de mesure. Est-ce qu'on peut avoir, pour faire notre diagnostic, un peu des outils, des moyens de calculer, de mesurer ce capital naturel? Alors effectivement, j'espère que vous m'entendez bien. Il existe plusieurs outils, plusieurs approches d'évaluation des impacts environnementaux. Ces derniers se basent sur les entrants et les éléments sortants des activités des entreprises pour évaluer les transformations que ces consommations et ces émissions vont générer sur les écosystèmes et sur les caractéristiques de l'écosphère, du système Terre. Donc, la comptabilité du capital naturel s'appuie sur des méthodes de type analyse de cycle de vie, bilan carbone, pour réussir à comprendre comment l'économie vient interagir avec les systèmes naturels et les modifier, et comprendre à quel point elle est elle-même dépendante de ces systèmes naturels pour pouvoir continuer à opérer. On retrouve notamment la notion d'externalité qui est très commune en économie pour exprimer la manière dont une entreprise va avoir un impact sur la nature et sur les autres agents économiques. Et cet impact environnemental mesuré au travers de grandeurs physiques peut ensuite être exprimé en valeur économique avec toutes les limites que l'on peut y mettre, notamment parce que le coût pour un autre agent économique d'une détérioration de la nature ne représente pas obligatoirement les moyens que l'on a à mettre en œuvre pour éviter cette détérioration et pour permettre la régénération. Donc c'est pour cela que durant ces dernières années, des méthodes de comptabilité qui vise à une soutenabilité forte, c'est-à-dire un maintien de la nature pour ce qu'elle est, et non en termes de valeur économique, se sont développées en France, notamment, et dans le reste du monde. Merci beaucoup pour cette réponse. Et ce qui est très intéressant, effectivement, c'est de voir ce lien avec les entreprises, de pouvoir communiquer sur ce sujet avec justement des outils qui leur permettent de se situer. Et je me tourne du coup vers Monsieur Robuchon, puisque vous avez travaillé à Citeo, qui est une entreprise à mission créée par les entreprises du secteur de la grande consommation et de la distribution pour réduire l'impact environnemental de leurs emballages et papiers. Et donc justement, vous, quelle est en fait votre vision de la situation, et justement comment est-ce que vous arrivez à peut-être à communiquer avec les entreprises sur cet enjeu? C'est un vaste sujet et je pense qu'il faut qu'on reste modeste aujourd'hui. On apprend. La professeure d'Audencia parlait d'externalité tout à l'heure. Citeo, ça a été créé justement pour, à un moment, il y avait une externalité. Les entreprises mettent des produits emballés sur le marché et l'externalité, c'était les collectivités locales qui devaient collecter les déchets. Et donc, il y a 30 ans, c'était plutôt cette externalité économique. Il y avait un coût par un autre agent économique qui a fait qu'on a le législateur. A dit, eh bien, on va élargir la responsabilité de l'entreprise, c'est conceptuellement assez nouveau, hein, au-delà de ce qu'elle vend, de ce qu'elle produit, pour s'occuper de ces déchets d'emballage. Et donc, on a mis en place tout un système. Alors, c'est très dur pour même des très grandes boîtes qu'on connaît tous, hein, de mettre leur propre système de collecte sélective, de poubelles, de bacs de tri. Et donc, elles ont fait appel à des sociétés comme nous. Et donc, on a développé un système avec les collectivités locales, qui est le bac jaune, hein, pour la plupart d'entre nous, qu'on connaît, et qui permet le recyclage. Et donc là, on a une mesure physique, c'est ce taux de recyclage. Et puis maintenant, quand on parle de biodiversité, on voit que 30 ans après, on est en train de se poser des questions sur, mais est-ce qu'on mesure exactement les bons impacts pour avoir les meilleures actions?
Donc le taux de recyclage, ça nous donne une indication sur les économies de ressources, puisque le but, hein, c'est de remettre des matériaux dans les circuits de production. Et Citeo, par exemple, a engagé il y a un an toute une démarche sur l'impact sur la biodiversité. Donc on essaye d'analyser les services rendus par la nature. Et donc on n'a pas toutes les métriques, c'est pour ça que je disais restons modestes, on est en train d'apprendre, on essaye de voir où sont les grands impacts. Alors pour les emballages par exemple, ça va être évidemment l'extraction de la matière, donc là il y a un lien clair avec notre mission première qui est le recyclage, cette économie circulaire, qui peut conduire aujourd'hui à aussi d'avoir des stratégies de réemploi. Et il faudra trouver les bons équilibres aussi en termes d'impact carbone, parce que s'il y a plus de transport, c'est trouver ces équilibres-là. On sait évidemment que ce qu'on voit tous, malheureusement, quand on va à la plage ou dans la nature, les déchets abandonnés d'emballages, il n'y a pas que des emballages, qui est lié à l'incivisme souvent, ou dans d'autres pays plutôt parce qu'il n'y a pas d'infrastructure de déchets. Donc là encore, les situations entre les pays ne sont pas les mêmes. Bon, on voit que là, ce sont les grands impacts. La pollution sur la nature, si ça s'échappe du circuit de collecte, l'extraction au départ, ce qui fait qu'il faut absolument essayer d'avoir une ressource qui circule. Et puis, le troisième axe qu'on a identifié, c'est l'emprise foncière de toutes les usines de production ou des centres de tri, sur toute la chaîne de valeur. Évidemment, ça a un impact sur les écosystèmes. Et là, c'est plutôt à nos clients ou à nos partenaires qui doivent faire attention à ça. Et donc, on est dans une démarche qui essaye d'apprendre pour justement ensuite se dire où est-ce qu'on va placer des bonnes actions. Parce que c'est un énorme sujet qui est devant nous. Oui, d'accord. Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'effectivement, il y a différentes dimensions dans ce sujet-là, différents axes pour travailler sur ce point. Et donc, je vais me tourner vers Monsieur De Rugy, puisque vous avez travaillé sur un projet de loi quand vous étiez ministre anti-gaspillage pour économie circulaire, qui est en 5 axes et qui maintenant a été promulgué. Et je voulais savoir, pour vous, du coup, est-ce que les enjeux là qu'on commence à discuter, pour vous, est-ce que cette loi telle qu'elle est maintenant, qu'elle a été promulguée maintenant, répond, est à la hauteur de ces enjeux? Et sur quel axe, en fait, est-elle efficace? Et finalement, que faudrait-il faire pour peut-être aller plus loin si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas efficace? D'abord, bonjour à tous et à toutes, mais je voudrais d'abord faire une petite remarque sur ce qui a été dit avant moi, parce que je trouve que c'est très intéressant ce qui a été dit sur finalement la difficulté de chiffrer, de mesurer à la fois les impacts négatifs potentiels sur la nature, sur les ressources naturelles, sur la biodiversité, et aussi les impacts positifs de telle ou telle action. Or pourtant, c'est au cœur de toute politique, normalement, de pouvoir mesurer les résultats d'une politique. Quand on fait la politique économique, on a des indicateurs pour regarder si la croissance augmente, l'épargne, l'investissement. Enfin, on a énormément d'indicateurs pour voir si l'économie se porte bien et donc si la politique économique que l'on a est bonne. Pareil dans le domaine social, etc. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont réglés, d'ailleurs. Au passage, il ne suffit pas de les mesurer et de les évaluer. Mais quand même, c'est absolument nécessaire. Et en matière d'écologie, je pense que c'est aujourd'hui un champ de travail qui devrait vraiment être prioritaire. Et je salue d'ailleurs les deux intervenantes tout à l'heure qui nous ont fait partager un petit peu déjà ce qu'elles font, parce que c'est ce qui nous permettra de nous améliorer, d'avoir une meilleure politique, aussi peut-être d'avoir un débat politique qui soit mieux orienté, si je puis dire, même si évidemment le débat est libre en fonction de ce que les médias, les acteurs politiques associatifs mettent en débat, mais si on est uniquement sur des symboles, si on est uniquement sur des totems, des choses qui sont agitées comme ça dans le débat, mais qui ne sont pas justement ancrées sur une réalité scientifiquement mesurée, on risque de faire de mauvais choix. Et le domaine des déchets, malheureusement, est un exemple parmi d'autres. À une époque, j'ai connu, parce que j'ai été, justement, je me suis engagé au tout début des années 90, il y a 30 ans, j'ai connu la loi dite Lalonde à l'époque, finalisée par Ségolène Royal déjà, sur les déchets, qui a été un progrès considérable par rapport à ce qui se passait avant, qui était la mise en décharge avec quasiment aucune norme d'enfouissement. Enfin, c'était vraiment un gâchis, à la fois un gâchis et une atteinte à la nature. Cette loi, à l'époque, elle s'est faite dans un contexte où on diabolisait beaucoup le papier. Par exemple, l'utilisation du papier et du carton. Et on disait, il faut arrêter le gaspillage du papier et du carton. Chaque fois qu'on édite quasiment un journal, un magazine, etc., c'est des forêts que l'on coupe, ce sont des forêts même que l'on va tuer.
Et on a donc considérablement visé à réduire l'utilisation du papier carton jusqu'à encore ces dernières années, avec l'idée qu'il fallait passer au tout électronique en quelque sorte, en oubliant que évidemment les communications électroniques ne sont pas non plus sans impact écologique. Aujourd'hui, on est passé à autre chose depuis quelques années, c'est la diabolisation du plastique. Alors, c'est fondé, pour une part, les atteintes, d'abord le plastique est issu du pétrole, enfin des produits fossiles, donc ça pose des problèmes dans l'exploitation des hydrocarbures, etc. Les émissions de CO2 qui vont avec, c'est souvent difficilement recyclable, enfin, par le passé c'était difficilement recyclable, mais on confond le fait que c'est été peu ou mal collecté, et donc que ça se retrouve sur les plages par exemple, ou dans la nature, avec le fait que ce soit mauvais en soi. Et donc c'est assez drôle d'ailleurs, parce que en ce moment même, hein, par l'application d'ailleurs de la loi que nous avons fait voter, on annonce la suppression des emballages plastiques pour les fruits et légumes en France par exemple. Et c'est normal qu'on vise à baisser l'utilisation qui était devenue massive et souvent inconsidérée. Et donc on en revient au papier carton, hein, chose qui est un retournement de l'histoire assez drôle pour des personnes comme moi qui ont un peu en mémoire ce qui a pu se passer. Pourquoi je dis ça? Parce que dans tous ces domaines-là, ce qui doit nous guider, c'est justement la mesure des choses et je dirais le bilan écologique global. C'est pas facile à faire un bilan écologique global, parce que comme ça vient d'être dit, si on intègre le transport, le coût du transport, le coût écologique, l'impact carbone, mais demain les transports peuvent changer, donc l'impact carbone peut être réduit, etc. Donc d'avoir ces modèles qui peuvent évidemment intégrer l'évolution des données en général et de mesurer ensuite l'efficacité des politiques. Parce que si on prend l'exemple des déchets, la loi que nous avons fait voter il y a à peine plus de deux ans, elle dit que par exemple on élargit encore ce principe de la responsabilité élargie des producteurs à d'autres domaines. Par exemple les jouets pour enfants, les outils de jardin qui jusqu'à présent ne faisaient l'objet d'aucune réflexion sur leur fin de vie, sur une fois qu'ils ne servent plus. Dans un tout autre domaine, les bateaux de plaisance par exemple, bateaux de plaisance en matériaux composites qui n'étaient absolument pas recyclés, qui finalement souvent finissaient dans des décharges au fond des ports, etc. On élargit tout ça. Mais ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, il faut avoir les filières de recyclage et il faut mesurer ce que l'on peut faire de tous ces matériaux. Et on en revient ensuite au début de la vie d'un produit, soit sa conception. Et c'est cette logique-là qui prévalait dans la loi, mais qui, encore une fois, n'est valable que si on mesure tout cela scientifiquement. Et moi, je crois beaucoup non seulement à la mesure des choses, mais à la recherche scientifique et sur la nature des problèmes et sur la possibilité des solutions avec l'innovation technologique. D'accord, merci pour votre réponse. Et puis comme vous faites référence à la recherche scientifique, je vais me tourner vers Dr Sandrine Dury pour justement aussi avoir peut-être votre réaction à ce qui vient d'être dit et aussi votre analyse ou diagnostic de justement comment est-ce qu'on peut réduire les impacts liés à la production et peut-être aussi en élargissant peut-être à d'autres pays que la France, puisque c'est un sujet aussi qui est global, pour avoir aussi votre point de vue scientifique sur la question. Merci. Du coup, moi, ce que je viens d'entendre, ça m'évoque quand même les efforts que font les scientifiques pour s'unir, pour analyser des travaux à très grande échelle, aussi, enfin, avec des gens, des spécialistes du monde entier, à travers des plateformes intergouvernementales de scientifiques. Donc il y en a plusieurs qui sont connues, il y a celle le GIEC pour le climat, mais il y a aussi pour l'IPBES, l'International Platform, c'est la plateforme internationale sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et donc ils ont rendu un rapport donc, il n'y a pas très longtemps là, qui dit que l'agriculture et les systèmes alimentaires sont quand même responsables d'environ, ils estiment donc à 80% des pertes de biodiversité. Et du coup, ça met un focus très important sur les systèmes alimentaires en particulier. Et nous, au niveau de la France, on a une responsabilité, évidemment, par rapport à notre système, mais on importe également beaucoup de produits. On importe du cacao, du café, on importe du bois tropical, on importe du soja pour nourrir nos porcs ou nos poulets. Et il y a une loi qui vient d'être votée, ou une loi, une stratégie nationale plutôt, de lutte contre la déforestation importée, et qui est une série de mesures, donc par exemple le plan protéines, qui vise à dire, bon, on va arrêter d'importer du soja dont on sait qu'il contribue largement à la déforestation en Amazonie en particulier,
et qui contribue à la perte de la biodiversité mondiale. Et aussi, c'est pas seulement la diversité, hein, c'est le climat. Les forêts tropicales, elles sont responsables de la régulation climatique du monde entier. Voilà. Donc, dans notre stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, on va imaginer des solutions, des politiques, peut-être de taxes, mais là, il faudra négocier au niveau international pour faire passer ça aux Américains. Ce ne sera pas facile. Pour dire, ben voilà, maintenant, on importe, à condition que vous nous prouviez que ce qu'on importe n'est pas issu de la déforestation. Donc, il faudra ce qu'on appelle la diligence raisonnée pour l'importation de produits risqués. Et puis, on va mettre en place une stratégie en interne de rediversification de l'agriculture qui était vraiment trop spécialisée. Donc ça renvoie à la question de l'agroécologie qu'on a un peu touché tout à l'heure, qui dit ben, qu'on va essayer de diversifier et aller contre la simplification des écosystèmes qui est en fait nuisible pour l'environnement et la planète en général. Voilà. Donc, je ne sais pas, après, oui, on peut continuer un petit peu. Là, il y a eu le sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires donc le 23 septembre dernier. Et l'agroécologie a été vraiment soutenue par la France et nos partenaires, en fait, par exemple, il y a plusieurs pays africains aussi qui sont lancés dans cette coalition. Donc l'agroécologie, c'est un ensemble de principes, c'est un peu des pratiques, mais aussi une science et aussi un mouvement un peu politique qui dit on va remettre au centre la relation avec la nature. Donc on va produire, mais aussi transformer le système alimentaire grâce à des systèmes plus diversifiés et plus participatifs, on va dire. Voilà. D'accord. Mais c'est vrai qu'on reviendra sur effectivement le sujet de l'agroécologie qui est au cœur de la question de produire et protéger. Mais je vais d'abord, avant cela, me tourner vers Monsieur Allaire, puisqu'on n'a pas, Madame Durie a mentionné justement l'impact que peut avoir les systèmes d'agriculture sur les forêts notamment. Et vous travaillez donc au sein de Reforest Action pour replanter aussi certains nombres d'arbres et sensibiliser à ces questions. Mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question de, voilà, peut-être avant replanter, souvent il faut aussi protéger l'existant et ce genre de problématique. Comment est-ce que du coup vous l'abordez au sein de votre action pour concilier ces deux aspects de protéger ce qui existe du fait des menaces qui existantes et en même temps aller vers une dynamique de reforestation, régénération, voire même de création de nouvelles forêts? La Reforest Action ne fait pas que planter des arbres. On protège, on restaure et on crée des forêts, et parfois via de la plantation, parfois via de la régénération naturelle assistée, suivant le moyen le plus adapté en fonction du contexte local, en fonction des bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et il est vrai que l'agriculture est responsable de la vaste majorité de la déforestation. Il y a 4 milliards d'hectares de forêts dans le monde. Il y a à peu près un tiers de forêts primaires. Et le reste, c'est de la forêt secondaire. Ce que j'appelle forêt secondaire, enfin ce que nous appelons tous de la forêt secondaire, c'est de la forêt qui est dessinée par l'homme ou qui a été touchée par l'homme. Ou en tout cas, la trace de l'homme est clairement visible. Et aujourd'hui, les forêts sont sujettes à deux enjeux majeurs. C'est la déforestation, on en a parlé, dont 80% est lié à l'agriculture, où on vient empiéter sur des surfaces forestières pour étendre les surfaces agricoles et ainsi libérer les terres pour le bétail, le soja et l'agriculture traditionnelle. Et puis, il y a la dégradation des forêts également liée au changement climatique, où là, on n'est plus dans une logique de déforestation, on est dans une logique de détérioration de la biodiversité forestière, parce qu'il y a des sécheresses, parce qu'il y a des tempêtes, parce qu'il y a des maladies, parce qu'il y a des insectes, parce qu'il y a des coups de gel, parce que, etc., etc., etc. Et ça s'amplifie. Et quand on est en Europe, par exemple, la déforestation, il n'y en a plus, puisqu'il n'y a plus de forêts primaires. Par contre, nos forêts souffrent terriblement de cette fameuse dégradation, alors que les surfaces forestières augmentent en volume, mais baissent en qualité. Comment on intervient? Eh bien, on fait du bottom-up, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on travaille avec des acteurs locaux, et chaque projet doit venir des acteurs locaux, parce que sinon, ils sont un petit peu hors sol et ont du mal à durer.
Et à chaque fois qu'il y a des paysans, par exemple, ou des communautés villageoises qui se situent en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Europe, à travers des propriétaires forestiers, par exemple, à chaque fois qu'on a des personnes qui viennent nous voir en disant « voilà, ma forêt est dégradée, comment est-ce qu'on peut la restaurer, comment vous pouvez nous aider ?» Eh ben, on a des équipes d'ingénieurs qui vont travailler avec eux sur quelles sont les actions à mettre en œuvre, comment financer tout ça. Et on pourra y revenir, si vous le souhaitez, sur les modes de financement de la restauration des forêts. Aujourd'hui, il faut 4700 milliards de dollars entre aujourd'hui et 2050 pour permettre aux forêts de jouer leur rôle dans le cadre des accords de Paris. C'est beaucoup d'argent, hein, c'est pas anodin. D'où est-ce que ça vient ? Je crois que c'est un vrai sujet. Et du coup, ce financement donne lieu à des projets très qualitatifs s'ils sont bien menés, mais qu'il faut suivre dans la durée. Et ça aussi, c'est notre rôle, de pouvoir mettre en œuvre des projets que l'on suit sur 30 ans. Et je parle de bottom-up parce que à chaque fois qu'on a fait des projets venir des États, par exemple, et qui ne soient pas portés par des acteurs locaux, ça a donné finalement des grands cafouillages et puis des arbres qui sont plantés par millions. On a tous en tête la Turquie qui a fait beaucoup de communication là-dessus il y a quelques années. Et puis 90% des arbres qui meurent derrière. Et donc aucun service écosystémique, aucune biodiversité régénérée, aucun stockage carbone, aucun bénéfice social, etc. etc. Donc vraiment le but du jeu, c'est de partir du terrain, mais d'avoir un accompagnement pertinent et agir avec beaucoup d'humilité. Parce que ce qu'on oublie de dire avec les forêts, c'est que c'est quand même l'écosystème le plus abouti sur les terres émergées. Hein. Il y a les océans, il y a les forêts, et que cette forêt, on ne la comprend pas. On ne la comprend pas vraiment. Il y a des chercheurs par milliers dans le monde qui travaillent sur ce sujet-là. Et on n'est qu'au début, finalement, de notre compréhension de ces écosystèmes. Il y a énormément d'interactions. Et je crois qu'à chaque fois qu'on intervient sur les écosystèmes naturels, eh bien, il faut le faire avec énormément d'humilité. Je crois qu'en début de journée, il y a eu un chiffre que j'aime à rappeler, c'est qu'il y a une politique de relance de l'Union européenne globale qui prend en compte les enjeux environnementaux, mais qui met 1% sur, les solutions basées sur la nature, 1% des budgets. Or, je crois que si on ne bascule pas vers une économie régénérative, qui est au cœur même de notre débat, donc si on ne bascule pas sur une économie qui s'appuie sur les écosystèmes naturels, on va louper le coche. Donc 1%, ça fait réfléchir finalement. Est-ce qu'il ne faudrait pas y mettre 100% de ces financements ? Et je crois que le vrai sujet est là. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'appuyer sur les écosystèmes naturels pour vivre une économie régénérative plutôt qu'une économie qui dégrade les écosystèmes ? Moi, c'est la vraie question que j'ai envie de poser. Effectivement, c'est vrai que c'est une question qui paraît très complexe parce que ça veut dire repenser tout un mode, en fait, toute une économie et renverser le paradigme existant. Peut-être que pour poursuivre sur cette voie-là, je vais me tourner vers Dr. Swab Taibi, si elle est toujours avec nous. Donc, elle n'est pas encore avec nous, mais peut-être donc Monsieur Robuchon, si je ne sais pas si cette réflexion sur appuyer l'économie sur les écosystèmes naturels, ce que vous en pensez d'un point de vue d'économie circulaire, est-ce que c'est justement un chemin pour aller vers cette économie régénérative, ou est-ce qu'il y a encore peut-être quels sont les freins en fait qui font que c'est difficile d'aller vers cette voie-là qui paraît finalement naturelle, mais en même temps, la réflexion n'est pas tout à fait neuve et on se dit, qu'est-ce qui bloque en fait pour aller sur cette voie ? Alors, je crois que le premier frein, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est celui de la mesure quand même, hein, parce que les acteurs économiques, je pense qu'il ne faut pas... Aujourd'hui, on doit faire converger en fait les efforts. Vous parliez de milliers de chercheurs dans le monde. Les entreprises, comme les États, comme les chercheurs, comme les acteurs locaux, doivent essayer de travailler ensemble. Mais parfois, comme on n'a pas la bonne mesure, on n'a pas le même langage. C'est toujours difficile. Je pense qu'il y a une seconde barrière qui est le temps. Et en économie, on a cette notion de retour sur investissement.
Aujourd'hui, par exemple, on travaille, vous parliez du plastique, quels sont les bons plastiques qu'on pourrait recycler et avec un taux très élevé, hein, donc, pour éviter vraiment des fuites dans la nature, parce qu'il y a des caractéristiques intéressantes, notamment ce poids léger, le fait que ça protège beaucoup les produits. On parlait juste avant, en coulisses, de justement le pire dans les produits de grande consommation, c'est le gaspillage. Hein. Justement, l'impact de l'agriculture, l'alimentaire, bah, si en plus, in fine, quand on a pris quelque chose, on a acheté au supermarché et que bah, c'est gaspillé, c'est le pire du pire. Ça. Mais pour changer, par exemple, pour choisir les bons systèmes d'emballage, plastique ou d'ailleurs d'autres matériaux, hein, aujourd'hui, on a des entreprises qui disent bah, « oui, mais moi, c'est 10, 20 ans devant moi pour changer mes lignes de production ». Et donc, si on n'a pas une vision un peu plus long terme, on ne me donne pas un peu ce temps-là, et la question, c'est est-ce qu'on a le temps de le faire ? Les entreprises se le posent. Hein. Alors, on voit que ce n'est pas toujours facile de faire ces bons choix. Alors, nous, on s'essaye justement à faire travailler les acteurs ensemble. Je reviens sur cette notion de coopération. Je pense qu'aujourd'hui, un des principaux défis pour les acteurs économiques, c'est de travailler ensemble. C'est quand même, on est dans une économie de marché où dans les fondamentaux, il y a la compétition hein, pour essayer de s'améliorer toujours. Mais sur ces sujets-là, parce qu'ils sont complexes, parce qu'on n'a pas toujours les bons éléments, c'est parce que les acteurs travaillent sur des sujets en commun qu'on va réussir à vaincre des défis. Et cette coopération, bah, elle ne s'organise pas forcément naturellement. Et ça, c'est un des défis qu'on doit relever. Nous, on s'y essaye à notre échelle. Hein. Nous, on est sur une échelle de la France, donc c'est mutualiser des moyens déjà. C'est d'avoir des projets en commun. Ça peut être des constructions de consortiums, demain des investissements. Je pense que voilà, le grand défi, c'est comment on n'oppose pas. Ce 1%, il paraît choquant. Je pense que si on regarde quand même ce que font les différentes entreprises, elles investissent aussi à leur manière. Mais parce qu'on n'a pas cette grille de lecture commune, peut-être qu'on n'arrive pas non plus à agréger. Mais c'est sûr qu'il va falloir basculer. Et là, les politiques publiques ont clairement aussi un rôle à jouer. Mais peut-être à une échelle pas uniquement française. Ça, c'est mon message. Et je pense qu'on le voit au niveau de nos sujets, par exemple, c'est clairement au niveau européen. Mais quand on parle de pollution plastique, par exemple, c'est un enjeu avant tout d'infrastructures de déchets en Amérique latine, en Afrique, en Asie. C'est là aujourd'hui où on doit créer les conditions pour aller travailler sur ces sujets, dans ces endroits. Oui, effectivement, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté en termes d'échelle d'intervention, le sujet étant tellement vaste. Et peut-être, Monsieur de Rugy, d'un point de vue peut-être de politique publique ou de rôle de l'État, pour vous, justement, quel serait en fait le rôle de l'État dans ce sujet hein, pour impulser cette dynamique ? Est-ce que le niveau législatif est suffisant ? Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels s'appuyer ? Et peut-être, je vous laisserai aussi réagir à la remarque de Monsieur Allaire sur le financement, justement, qui n'est peut-être pas suffisant ou à la hauteur des enjeux actuellement. Bah, peut-être ça répondra aussi indirectement à ce qui vient d'être dit. Moi, je pense depuis longtemps que le problème aussi que l'on a autour de toutes les questions écologiques, la nature, la biodiversité, c'est qu'on a du mal à lui donner une valeur, y compris économique. Et je me souviens d'un débat au Parlement, il y a déjà fort longtemps, qui posait la question de est-ce que finalement on peut chiffrer le capital naturel et donner une valeur au capital naturel. Parfois on dit donner un prix au carbone, on dit voilà. Sur certaines choses, on le fait puisqu'on exploite les matières, y compris dans le cadre d'un cycle, on va dire, en partie naturel, le cycle de l'eau, par exemple. On donne quand même un prix à l'eau, mais c'est parce qu'on considère qu'on l'a retraitée, etc. On ne va pas donner une valeur en soi à la nappe phréatique, par exemple. Et c'est sans doute un peu dommage, parce que comme on ne donne pas une valeur, on n'est pas vraiment capable de chiffrer ce que vaut le prélèvement ou l'utilisation, et on n'est pas non plus capable de chiffrer ce que vaut la protection ou la restauration. Parce que moi, je pense, comme vous l'avez dit, que l'enjeu aujourd'hui, il est sans doute plus dans la restauration de la nature dans bien des domaines que dans la préservation, puisque sinon on va juste avoir une logique de c'est un peu la logique des parcs nationaux, etc. Bon, on a quelques zones, puis le reste on dirait bon bah tant pis. C'est non, on voit bien que dans un certain nombre de domaines il faut reconquérir. Ça veut pas dire d'ailleurs
enfin, je pense, dans le domaine de la forêt, qui est un sujet qui me tient à cœur aussi. Si on dit le nec plus ultra, c'est la forêt primaire. Il y a des gens, maintenant, ils ont des projets de replanter des forêts primaires. C'est-à-dire, ils disent, on va refaire des espaces forestiers auxquels on ne touchera plus. Je pense que c'est une erreur profonde. Si on veut donner une valeur à la plantation d'arbres, à ce qu'apporte l'écosystème forestier en termes de biodiversité, bah, il faut y compris se dire qu'il a une valeur économique. Et alors là, en plus, dans ce domaine-là, c'est, entre guillemets, relativement facile à faire, puisque le bois a différents usages. Le bois pour la construction, le bois pour l'ameublement, mais aussi le bois pour le chauffage. Et en général, quand on coupe un arbre, à peu près 50-50, hein, 50% du bois qui peut être utilisé dans ce qu'on appelle le bois d'œuvre, mais 50% qui va être utilisé dans le chauffage ou éventuellement d'ailleurs dans la pâte à papier. Et puis, le fait de se dire, bah là, on peut avoir des mécanismes qui peuvent être privés, des investisseurs qui vont dire voilà, moi je vais. Mais il faut avoir la logique de long terme, hein, parce que quand vous plantez des arbres, évidemment, il ne faut pas vouloir avoir un retour sur investissement trop rapide. Mais qui peut aussi être organisé par la collectivité publique, je ne dirais pas forcément d'ailleurs l'État, parce que en France, on aime bien dire l'État, parce que ça nous rassure de dire voilà, c'est chez nous, et puis il y a le chef de l'État, donc on va s'adresser au chef de l'État, puis ça va tout régler. Mais on sait bien que c'est souvent à l'échelle internationale, au moins européenne, parfois mondiale. Les questions, toutes les négociations internationales, que ce soit sur la biodiversité ou sur le climat, c'est quand même se donner des règles mondiales qui ont un effet, un vrai effet. Parce que sur le climat, ça n'a aucune chance d'avoir un effet sérieux à l'échelle française. Sur la forêt, on peut faire des choses à l'échelle française, mais on sait bien qu'on a intérêt à avoir une logique mondiale. C'est pour ça qu'on avait, quand moi j'étais ministre, fait cette stratégie nationale contre la déforestation importée, puisqu'on savait qu'il pouvait y avoir, par exemple, l'incorporation de produits dans les process de production français. Un autre exemple, je finirai là-dessus, qui me paraît intéressant, sur lequel commencent à travailler les agriculteurs, qui eux avaient plutôt une pratique, on va dire, d'exploitation, d'ailleurs on dit un exploitant agricole, et ils disent bah, si vous nous demandez de restaurer de la biodiversité en faisant des haies par exemple, alors encore faut-il mesurer scientifiquement ce que ça apporte, comment c'est efficace, etc., mais ça c'est faisable, et bien ils disent bah, rémunérez-nous pour ça, parce que nous cette bande de terre, si on y plante des haies, non seulement elle ne nous rapporte plus rien en termes de production agricole, mais même elle va nous pénaliser parce qu'on a une perte de rendement, en gros, tout le long. Moi, je me souviens d'un agriculteur qui m'avait dit, au salon de l'agriculture, il dit, moi, j'ai chiffré, je considère qu'un mètre linéaire, c'est 1 euro, 1 km, 1000 euros. Et il dit, moi, sur mon exploitation, j'ai considéré que je pouvais faire 15 km de haies, donc 15 000 euros par an. Bon, vous voyez qu'à ce moment-là, d'un seul coup, on peut se dire, c'est quelque chose qui est peut-être atteignable, et où il y a un levier d'action publique, là, qui serait plutôt européen, c'est dans le cadre de la politique agricole commune, les paiements pour services environnementaux. Et je pense que ça, c'est un concept très intéressant. Il faut absolument creuser, qu'on peut d'ailleurs expérimenter sur un certain nombre de choses, puis ensuite, sans doute, développer. Effectivement, c'est vrai qu'il y a, cet enjeu de rendre aussi peut-être... rentable finalement, certaines pratiques davantage durables. Peut-être, monsieur Allaire, vous voulez réagir à... Si je peux juste me permettre, politiquement, vous savez, le frein à cela, bien sûr, c'est parce qu'il y a parfois un manque de volonté, etc. Mais il est aussi en grande partie dans les têtes, et parfois même, disons-le, dans les têtes de ceux qui pourtant sincèrement veulent défendre la nature et l'environnement. Parce qu'on a un jugement un peu moral qui consiste à dire, ouh là là, la nature, ça n'a pas de prix. Vous savez, c'est comme la santé, ça n'a pas de prix. Ben non, c'est pas vrai. La santé a un coût, on est bien placé pour le savoir en ce moment. D'ailleurs, les atteintes à la santé ont aussi un coût, on est bien placé pour le voir en ce moment. Ben, c'est pareil pour la nature. Et si on donne un prix, il faut un peu dépasser cette forme presque d'interdit moral ou de dire « Ah, comment on va rémunérer un agriculteur pour faire des haies ?» Mais c'est pas normal, il devrait le faire presque par choix moral de contribution volontaire nature. Non, on est dans un système humain, c'est pas simplement un système économique, c'est un système humain où les êtres humains ont besoin de gagner leur vie pour vivre, et donc dans ce cadre-là, bah, si on joue des leviers économiques de financement en restant raisonnable, réaliste, eh bien je crois qu'on a des leviers efficaces pour l'écologie. Oui, je voudrais réagir sur plusieurs points. Partout dans le monde où la forêt est dégradée, c'est parce qu'elle n'a pas suffisamment de valeur économique aux yeux des acteurs locaux. Donc là, je vous rejoins, c'est le premier facteur de déforestation, le premier facteur de dégradation forestière. C'est, ça ne répond pas aux attentes économiques des acteurs locaux. Et c'est vrai, je crois,
de façon un peu caricaturale peut-être, mais vrai dans, partout dans le monde. La deuxième chose, c'est que oui, il y a un débat sur peut-on donner un prix à la nature. Je crois que ce débat est derrière nous, parce que on lui a déjà donné un prix avec le carbone, à bien des égards. En tout cas, sur la forêt, il y a déjà eu le fait qu'on ait dit il y a un prix à la tonne carbone. Ça a donné un prix à un service écosystémique forestier autre que le bois et qui est le carbone. Et il y a une étude qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle l'étude Chevassieu-Louis. C'était en, je ne sais plus quand, mais au début des années 2000, je crois, il y a quelques années maintenant, qui disait finalement la valeur d'un hectare de forêt, il y a au moins 50%, c'est du carbone. Et le bois, ça pèse 10% de mémoire. Et la chasse, très peu, et les champignons, n'en parlons pas. Et ça, c'était sur la forêt française. Et donc, on a déjà eu ce débat, qu'on le veuille ou non, la réponse, une réponse a déjà été donnée. La grande difficulté, c'est la biodiversité. Parce que là, on va donner une valeur aux oiseaux, aux écureuils, aux insectes. Et là, ça pose un souci, évidemment. Mais je me demande, moi, si on n'y va pas de toute façon. On peut le regretter. Mais on peut aussi en faire un levier positif. Et c'est ça tout l'enjeu. Moi, mon métier, c'est de restaurer des écosystèmes forestiers et on se fait financer par les entreprises et par des particuliers, 300 000 particuliers en France, nous font confiance pour restaurer des forêts françaises et internationales en finançant sur notre site. Eh bien, on ne dit pas, voilà, vous avez donné 3 euros, ça va sauver un oiseau. On dit, voilà, vous avez contribué à un projet global qui va avoir tel impact sur la biodiversité. La grande problématique de la biodiversité, c'est qu'on ne sait pas la mesurer de façon holistique, dans la mesure où il y a une biodiversité unique par endroit où on intervient. Contrairement au climat, où il y a le CO2, on a réussi à faire l'indicateur, qui est vrai à peu près partout dans le monde, parce que c'est un sujet global. La biodiversité, c'est un sujet local. Donc, quand on intervient en Amazonie ou dans les Landes, ben, on ne parle pas du tout de la même chose. Et ce ne sont pas de forêts comparables d'ailleurs. Donc, on n'arrive pas à avoir un indicateur, mais je pense que ça aussi, c'est un sujet qui va être craqué, ou en tout cas qui va être, disons, abordé de façon très universelle prochainement, parce qu'il y a des tas de chercheurs qui travaille sur un indicateur biodiversité, qui vaudra ce qu'il vaudra, qui sera un outil très imparfait, mais je crois quand même très utile si on sait bien s'en servir. Et tout l'enjeu, c'est de bien se servir des indicateurs de mesure, puisque je suis d'accord, hein, il faut mesurer pour pouvoir agir. D'accord. Mais c'est vrai que c'est très intéressant, cette question voilà, d'essayer de trouver l'indicateur ou voilà, la mesure qui permettrait de entamer cette transition vers ce nouveau modèle. Je me tourne vers Dr Anne Mottet, qui est, j'espère, peut-être encore avec nous, en visio. Et justement, pour peut-être avoir votre réaction sur est-ce que voilà, ce levier du paiement par service écosystémique ou d'indicateur biodiversité pourrait permettre cette transition vers des systèmes agroalimentaires d'élevage qui seraient plus durables et vers voilà, ce qu'on appelle aussi l'économie régénérative. Merci pour la question. Je suis désolée, il y a un petit peu de bruit derrière moi. J'espère que ce n'est pas trop gênant. Effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on s'approche de plus en plus d'un indicateur. Alors, c'est vrai que j'ai une publi avec moi là, que je lisais ce matin avant de me connecter. On voit de plus en plus de publications qui ont presque un indicateur abouti, simplifié, mais toujours, comme ils appellent, multicritère, multidimensionnel. Pour mesurer la biodiversité, donc il va s'intéresser aux hectares utilisés, mais aussi éventuellement aux espèces emblématiques, aux espèces endémiques, à tout plein de dimensions qu'il faut intégrer dans. Et le rendre disponible pour accompagner les méthodes évoquées quand même, c'est celle de la... Alors, il y a un petit problème technique de connexion, aléa du direct, mais on est en train de régler ce sujet en coulisses. Peut-être du coup... je ne sais pas si Madame Souha Taïbi est avec nous, par contre, que la connexion est revenue.
Bon, voilà, merci. Pour peut-être aussi avoir votre réaction sur ce sujet-là, puisque ces outils de mesure, justement, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Peut-être, voilà, est-ce que c'est effectivement le levier qui permettrait de faire cette transition ? Alors, effectivement, au sein des travaux de la chaire Performance Multicapitaux, dans laquelle j'interviens, nous travaillons sur cette problématique. De mesure de ce que peut être la nature, de ce que peut être ce capital naturel. On a abordé la question des externalités et je pense qu'on ne peut pas faire l'économie, pour le coup, de prendre en compte les limites de certains des outils, notamment en termes de monétarisation, donc de prix donné à la nature. Si effectivement le prix peut servir de levier pour orienter le comportement des acteurs économiques vers un respect des limites planétaires et des fondations sociales, puisque c'est le système Terre et le système social dont nous dépendons, il ne peut à lui seul représenter la seule unité de mesure. Et on a besoin de corréler ce prix à des dimensions physiques et dès 1976, un économiste comme Peirce avait déjà mis en évidence comment le modèle des externalités avait besoin d'intégrer la notion de limite naturelle d'assimilation. Et donc, effectivement, il y a énormément de travaux en cours sur le développement de mesures qui soient facilement mises en œuvre par les organisations. Et il n'existe pas de prix pour la nature, il existe un prix qui peut permettre aux individus d'orienter leurs actions et les politiques mises en œuvre au niveau national et international vers un respect du système dont on dépend. Et je rejoins les remarques de deux des intervenants concernant l'approche systémique et la complexité qu'il est nécessaire de prendre en compte quand on parle de système naturel et de biodiversité. On ne peut pas faire l'économie des interactions qui existent. Et c'est pourquoi nous prônons une approche qui est basée sur l'intégration des limites planétaires et des fondations sociales. Merci beaucoup pour votre réponse. Aussi limitée que ce modèle. Merci beaucoup pour votre réponse. Je crois que M. Robuchon, vous voulez réagir. Oui, enfin, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, mais en fait, on l'a dit, c'est complexe, et donc enfin, ça fait partie du défi qui est devant nous, et ça doit aller vite, parce qu'il y a quand même une urgence. Mais quand on voit l'engouement finalement de ces sujets, le fait qu'on soit aujourd'hui dans une journée consacrée à ça, tous les travaux de recherche, il faut qu'on fasse le pont absolument entre cette complexité-là et des choses pragmatiques. C'est pour ça que les sujets de monétarisation, oui, ils auront des limites, mais il faut qu'on y arrive à un moment parce que derrière, les entreprises, je pense plutôt aux PME ou aux exploitants agricoles, qui ont un rôle, si jamais on n'arrive pas à, on parlait de langage tout à l'heure, à leur faire comprendre ça, et puis, in fine, nous-mêmes, en tant que consommateurs, il y aura toujours une barrière. On aura l'impression qu'il y a des... C'est tellement compliqué, en fait, que moi, je vais continuer de vivre comme avant. Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre défi, qui sommes plutôt nous des sachants, c'est de faire les ponts entre nous, que ce soit la recherche, les entreprises, les gens qui ont des initiatives locales, les politiques publiques, ou quel que soit leur niveau, mais à un moment arriver à, encore une fois, les refaire converger pour que on puisse faire de la pédagogie. Je crois qu'aujourd'hui, on aura les questions de tous nos internautes. Il faut que un maximum de gens en fait soient conscients de ces enjeux-là et puissent se dire, moi, à ma petite échelle, voilà ce que je fais. Et puis, en ayant quand même toujours, parce que c'est complexe, l'explication que parfois, il y a des idées reçues et que ce qu'on pense faire bien, ce n'est pas la bonne chose. Et c'est là où nous, on doit faire cet effort ensemble de trouver les bons mots pour les faire progresser. Dernier mot chez Citeo, il y a 30 000 clients juste à l'échelle de la France. Donc, il y a évidemment, je parlais des très grandes entreprises qu'on connaît tous quand on va dans les linéaires. Mais il y a plein de petites entreprises. Aujourd'hui, elles ne savent pas ce qu'elles doivent faire. Et c'est, enfin, on peut leur dire, vous faites bien, vous faites mal. En fait, elles ne savent pas. Donc, on est là pour les aider. On a besoin de structures comme Reforest Action, comme Citeo, comme bien d'autres, comme tous les travaux de recherche, pour expliquer et donner les pistes à ces gens qui, je pense, aujourd'hui sont
quand même de plus en plus sensibilisés et je crois ont envie de bien faire. Après, c'est plutôt peut-être vrai dans les pays occidentaux. Dans d'autres pays, c'est là où le lien avec l'économie, il est indispensable parce que c'est des agriculteurs qui abattent l'Amazonie. Il y a des enjeux économiques avant tout, enfin de survie parfois pour certains. Mais voilà, je pense que de faire ce lien est hyper important. Oui. Je vous laisse réagir, Madame Dury, vous voulez... Oui, merci pour la discussion. Sur la question du prix et de donner une valeur à la nature, c'est vrai que c'est un grand débat chez tout le monde, chez les scientifiques. Et on est toujours en train de se disputer est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Il y a un danger parce qu'effectivement, les écosystèmes, parfois, ça bascule, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des pertes irréversibles. Et c'est bien en cela que les environnementalistes essayent de convaincre les économistes en disant mais il y a des choses, on ne peut juste pas mettre de prix. C'est-à-dire qu'une fois que ça a disparu, c'est fini. Et on a toujours peur d'atteindre ce seuil-là où on passe de l'autre côté. Mais en attendant, comme on est quand même dans une économie marchande, on se dit il faut faire avec ce qu'on a aussi. Et c'est, moi, j'aime bien ce que vous dites, là, se dire il faut agir à tous les niveaux et faire le plus vite possible. Et par exemple, à l'occasion du sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires dont je parlais tout à l'heure, il y a une équipe de scientifiques qui a essayé d'évaluer l'impact des coûts cachés, les externalités du système alimentaire mondial. Donc ils ont estimé, alors avec toutes les limites que ça peut avoir, hein, les économistes ils critiquent ça, mais il y en a qui acceptent de le faire quand même, ils disent que voilà, je crois qu'il y a 1000 milliards, quelque chose comme ça, de dépenses alimentaires par tous les humains par an dans le monde, et que l'équivalent de coûts cachés, mais alors voilà, on est vraiment dans l'approche du développement durable, c'est-à-dire qu'il y a les coûts environnementaux, perte de biodiversité, changement climatique, et il y a les coûts humains de santé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de gens qui sont en surpoids ou obèses, avec toutes les maladies qu'on connaît, hein, de diabète, de cancer, liées à la malbouffe, en fait. Il y a trop de consommation de protéines, dans certains pays, il y en a la majorité, de gras, de sucre, etc., de produits ultra transformés. Donc, ils prennent en compte tous les coûts de santé, sociaux, environnementaux, et ils arrivent au double de la valeur. C'est-à-dire que le marché mondial de l'alimentation, ça serait 1000 milliards, et là, ils arrivent à 2000 milliards de coûts cachés. Donc, ça veut dire, voilà, si on veut agir, qui paye ça ? Qui paye ? C'est l'histoire des gilets jaunes, hein. C'est qu'on va mettre une taxe. Non, c'est pas possible. Les consommateurs, est-ce que c'est eux qui doivent payer ? Ils peuvent pas. Il y a 3000 milliards de personnes qui peuvent pas se payer actuellement une alimentation au très bas coût où est l'alimentation finalement aujourd'hui dans le monde en moyenne. Du coup, est-ce que c'est les entreprises qui doivent faire l'effort, les États, les citoyens ? Donc c'est toute cette question. Et j'en reviens à l'idée des... Donc là, actuellement, tout à l'heure, je suis partie à discuter des plateformes intergouvernementales au niveau international. Donc on a dit, il y en a une sur le climat, il y en a une sur les services écosystémiques, et il y en a une qui est moins connue, qui s'appelle le HLPE. C'est un panel de haut niveau sur... l'agriculture et l'alimentation, qui est basée à Rome et qui accompagne le CSA, le Comité pour la Sécurité Alimentaire Mondiale. Et donc, eux, ils ont lancé là une plateforme transformative, TPP en anglais, et là, ils font l'inventaire de toutes les politiques publiques, avec tous ces niveaux, au niveau des consommateurs, au niveau des producteurs, au niveau des États, au niveau des marchés. Et là, il y a une foule d'idées qui sont en train de se discuter, dont les paiements pour services environnementaux, qui ont montré quand même un certain succès dans certains pays comme Costa Rica. Il y a une politique agroécologique qui s'est mise en place dans tout le pays grâce à ces PSE. On connaît en France Vittel, donc là c'est effectivement une entreprise, hein, c'est pas l'État. C'est vrai que ça peut être, c'est assez pratique, mais après c'est vrai qu'à un moment on doit donner un prix à la nature et payer les producteurs pour entretenir la nature. Et avec, voilà, on se lance. Et il y a beaucoup d'exemples en fait qui peuvent marcher dans ce sens-là. Donc ça c'est une option. Je continue ou je vous laisse finir votre propos, mais après, il y a Dr Noté qui est revenu. Donc je vais aller aussi ensuite pour qu'elle puisse finir ce qu'elle... Non, parce qu'il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas évoqué aussi, c'est toutes les questions de certification. Donc là, c'est plutôt les consommateurs qui payent. Hein, tout à l'heure, on disait qui paye. Dans le cas des PSE, souvent, c'est des entreprises qui sont très intéressées pour garder, par exemple, la qualité de l'eau autour des sources de Vittel, qui vont payer les producteurs autour pour entretenir la nature, pour que ça reste de bonne qualité. Mais ça peut être aussi l'État ou bien des collectivités territoriales qui sont intéressées à un service.
L'Union européenne, avec sa politique agricole, fait des paiements pour services environnementaux aujourd'hui, ça existe. Ils voudraient en faire encore plus avec la réforme, la nouvelle politique. Voilà, ça c'est une chose. Mais aussi les certifications. Les certifications, là, dans ce cas-là, ce sont les consommateurs informés qui payent. Donc ça a eu beaucoup, beaucoup de succès. Et on se bat aussi entre spécialistes là-dessus, savoir ce qu'il faut continuer ou pas. Le débat est posé, hein. C'est-à-dire que la limite, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait des consommateurs avertis qui payent le prix, mais ça peut fonctionner en partie, voilà. Et pourquoi pas continuer sur des certifications durables des produits qu'on importe en particulier. Merci. Et docteur Mottet, du coup, si vous nous entendez bien à présent, on peut peut-être reprendre, vous étiez aussi en train de réagir sur ce sujet des paiements pour services environnementaux. Oui, merci. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de raccrocher à la discussion. J'aimais bien le dernier point qui a été soulevé par notre collègue du CIRAD. En fait, il faut aussi considérer combien on a de producteurs et combien on a de consommateurs. On estime aujourd'hui qu'on a près de 600 millions de producteurs agricoles dans le monde. Et puis, on est bientôt 10 milliards de consommateurs. Donc, c'est quand même une dimension qu'il faut avoir en tête. Nous, à la FAO, on travaille, notre première mission, notre premier mandat, c'est l'éradication de la faim dans le monde. On a encore quand même, encore de nouveau près de 600 millions de personnes qui souffrent de la faim. Et puis, on a des déficits nutritionnels, près de 2 milliards de personnes dans le monde qui sont en déficit nutritionnel. Puis, à côté de ça, on a aussi beaucoup de personnes, presque 2 milliards aussi, qui sont en surpoids ou en surconsommation. Donc on doit travailler dans cette question des systèmes alimentaires et de leur impact sur l'environnement avec l'idée que quand même ils servent à nourrir les gens à la base et qu'on n'en est même pas là encore. Mais alors avec qui on veut travailler? Est-ce qu'on travaille avec les producteurs, avec ces services, cette rémunération pour services écosystémiques rendus? Là ce serait 600 millions de personnes à peu près à atteindre, à dédommager. Si on travaille avec les consommateurs, là, c'est un petit peu plus vaste. Hein, donc, influencer les modes de consommation, ça veut dire travailler avec les 10 milliards de personnes dans le monde bientôt. Donc, il faut, en fonction des contextes, hein, de nouveau, on a parlé du Costa Rica, il y a des pays où il y a des mécanismes qui sont déjà en place, d'autres où ça va être beaucoup plus long à développer. Mais il ne faut pas, je pense, choisir une voie au détriment d'une autre. On a à notre disposition un ensemble de, même si on ne s'intéresse qu'aux politiques publiques, hein, sans regarder forcément les politiques des entreprises, rien qu'en politique publique, on a un ensemble de mécanismes disponibles qui intègrent les paiements pour services écosystémiques, mais aussi, bien, par exemple, les investissements en recherche-développement. Ça, c'est aussi une façon de dépenser dans une voie d'amélioration de la durabilité. Les mesures de marché, l'étiquetage, mais aussi, alors il y a des pays qui travaillent sur des taxes à l'exportation, des taxes à l'importation, ou sans parler de taxes, même des mesures de différenciation des produits à l'importation, à l'exportation. Donc voilà, il y a tout un tas de mécanismes d'intervention publique qu'il faut considérer. Je pense pas qu'il faut en choisir un au dépend d'un autre, au contraire, hein, on a souvent ce problème dans les questions de durabilité et d'études des systèmes, c'est souvent une espèce de panier d'options qu'il faut privilégier, plutôt que de choisir une voie en particulier. Mais donc, moi, ce que j'aimerais quand même rappeler, c'est que tout ce dont on parle là, de nos impacts, c'est avant tout, pour se nourrir. Et de notre point de vue, des fois, quand on est dans un pays à haut niveau de revenus, comme en France ou dans un autre pays européen, on n'a pas forcément une vision mondiale de l'enjeu de la sécurité alimentaire, parce que on a globalement assez à manger, mais ce n'est pas le cas partout. Alors, ceci étant dit, ce qu'on voit, c'est que avec aussi ces évolutions de comportement des consommateurs, on a des problèmes de déficit nutritionnel aussi dans ces pays à haut niveau de revenus. Alors, on estime qu'un tiers des femmes dans le monde sont en carence de fer, mais ce chiffre, c'est même 25% aux États-Unis, 24% au Royaume-Uni. On ne doit pas être loin de 20% en France. Donc, il y a même quand on a assez à manger, parfois on n'a pas une diversité d'aliments suffisante aussi dans des pays riches comme en Europe ou en Amérique du Nord. Donc c'est souvent parce que on prend le problème
D'une façon simplifiée, par exemple, on se dit, bon, alors dans le cas, nous on connaît bien cette question-là sur l'élevage, on se dit, bah, l'élevage a un gros impact sur l'environnement, on n'a qu'à arrêter de manger les produits de l'élevage, comme ça, on aura réglé la question. Non, parce que bah, c'est des produits qui sont très riches en nutriments, qui sont très importants pour les enfants, pour les femmes, et pas seulement dans les pays à bas et moyen niveau de revenus, mais aussi dans les pays riches. Donc je pense que la nutrition, dans cette question de nos systèmes alimentaires, c'est aussi un point très important pour les services publics, pour les gouvernements centralisés, décentralisés, qui commencent à être de mieux en mieux pris en compte, mais qui a été peut-être un peu négligé jusque-là. Merci beaucoup, Dr Mottet, pour ces précisions. Et je crois que M. Allard voulait aussi réagir à nouveau sur ce sujet. Oui, je voudrais vous faire part d'un témoignage. Mm-hmm. Moi, j'ai créé Reforest Action suite à une visite au Sénégal d'un projet agroforestier. Et ce qui m'a surpris lors de cette visite, c'est que j'ai vu des gens très heureux et pourtant très pauvres, mais qui vivaient au sein de leur village en communion, je ne sais pas, mais en tout cas de façon très intégrée avec leur environnement. Ils ne mangeaient pas à leur faim, ça c'est sûr, et ils vivaient de rien. Aucune infrastructure, pas d'électricité, pas d'eau courante, enfin rien. Mais malgré tout, ils étaient heureux, ils le sont encore, je l'espère pour eux. Et ce qui m'amène à dire que avec un système alimentaire, c'est vrai que tout dépend de sa qualité de nutrition finalement, enfin beaucoup de choses en tout cas. Et avec un système basé sur l'agroforesterie notamment, qui permet de restaurer les sols, qui permet d'agir sur le climat, sur la biodiversité, qui permet d'améliorer le rendement d'un hectare de culture vivrière, etc. On a ici une vraie clé pour aller vers une diversification déjà des écosystèmes, une diversification de l'alimentation et une meilleure nutrition. Ça, c'était ma première réaction, c'est l'importance de l'agroforesterie dans le modèle agricole mondial. Et c'est vrai qu'en France ou en Europe et dans certains pays d'Afrique, on vit sur deux planètes différentes. Enfin, je veux dire, on ne comprend pas le quotidien de ces personnes-là avant d'avoir été voir. Et même avec ça, on n'a que gratté la surface de leur réalité. Ma deuxième réaction, c'est que depuis tout à l'heure, je crois qu'on souligne, sans le dire, l'importance du législateur dans tout ça. Parce que, encore une fois, quand on va en Afrique, il y a 10 ans, quand j'allais, moi, toujours au Sénégal, par exemple, le bord de route, c'était des sacs en plastique noir, mais partout. C'était le paysage, c'était une beauté incroyable, et des plastiques. Des sacs en plastique sur le bord de la route, toutes les poubelles, en fait, jetées comme ça par la fenêtre des voitures et des camions. Dans certains pays d'Afrique, on n'en avait plus un seul, parce que l'État a dit « stop au plastique ». Vous n'avez plus le droit, quand vous allez au Kenya, je crois, par exemple, dans l'avion, on vous demande de laisser vos sacs en plastique de là où vous venez, mais vous ne pouvez pas en apporter. C'est interdit. En France, on n'en est pas là, pour des raisons que j'ignore, mais en tout cas, le législateur a un vrai pouvoir là-dessus. Et c'est vrai que c'est difficile de taxer, c'est difficile d'aller au bout de la démarche. Et pourtant, je crois qu'il y a un grand nombre de choses possibles et ça passe beaucoup par le législateur. Et le législateur, en fait, de mon point de vue, accélère une transformation nécessaire auquel on se prépare tous. Mais à un moment donné, il dit, et voilà, c'est maintenant. Et c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans une génération, c'est maintenant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et effectivement, c'est le sujet qui, là, à travers la discussion, est revenu souvent. Monsieur Aubuchon, vous l'avez aussi mentionné sur voilà, les États en développement. Que ce sujet est un sujet global et qu'effectivement, il y a des réalités qui sont différentes entre les pays. C'était une question d'ailleurs d'un des internautes, de Julien, qui demandait « Cette idée d'économie verte régénératrice est-elle adaptable aux pays en développement ?» Donc, c'est une question qui intéresse beaucoup. Et finalement, dans votre réaction, vous dites que finalement, le législateur même dans certains de ces pays œuvre pour aller vers cette transition-là. Peut-être, M. De Rugy, du coup, je vous laisse aussi réagir à la remarque de M. Allard et aussi peut-être pour aborder aussi ce sujet de est-ce que cette économie régénératrice, elle pourrait être en fait un modèle qui serait répandu à l'échelle mondiale.
Oui, moi je pense qu'il y a évidemment des différences majeures, ce que vous avez décrit tout à l'heure, on a du mal à l'imaginer dans un pays comme la France. Et en même temps, si on prend un peu de recul et qu'on réfléchit tout simplement à l'utilisation des sols, ben, finalement la problématique n'est pas si différente. Si en France, par exemple, on dit, et en Europe, et il y a un débat actuellement au sein de l'Union européenne, on va, par tout un tas de mesures, y compris peut-être législatives ou un certain nombre de leviers, baisser les rendements agricoles. Voilà, c'est un choix qu'on pourrait faire, dire ben, il y a trop d'inconvénients à augmenter les rendements agricoles, ou en tout cas à les maintenir à un très haut niveau à cause de l'utilisation de certains produits, de certains engrais, certains intrants, etc., ou une surexploitation des sols. Donc on va accepter une baisse des rendements agricoles. Ben, on voit bien qu'assez rapidement, on va se retrouver dans une tension potentielle sur l'utilisation des sols. Puisque si dans le même temps, on dit que l'on veut augmenter les surfaces protégées au titre de la biodiversité ou augmenter les surfaces forestières, qu'elles soient plantées dans une forme presque de sylviculture, donc vraiment une exploitation forestière, ou qu'elles soient, a fortiori, laissées avec une forêt à laquelle on ne touche pas. On va avoir des tensions sur l'utilisation des sols. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est plus visible dans les pays où à la fois la population augmente beaucoup plus fortement que chez nous. En France, elle continue à augmenter quand même, hein, donc ça veut dire aussi des surfaces pour loger les gens. Et on sait bien que la densification de l'habitat est quelque chose qui n'est jamais très bien vu par les gens, et donc qui est toujours difficile à faire accepter politiquement, y compris dans notre pays. Et puis, dans ces pays en voie de développement, il y a aussi justement la nécessité de nourrir tout le monde et donc d'augmenter les surfaces agricoles. Donc cette tension se voit beaucoup plus fortement, mais elle existe en réalité aussi potentiellement en Europe. Et donc, moi je dis, sur ces domaines-là comme sur d'autres, attention aux idées simples, aux idées simplistes, il faut bien le dire, sont simplistes. Quand je vois qu'une grande chaîne de télévision publique en France diffuse un reportage qui dit, bah voilà, dorénavant les arbres, il faudra les... vous savez, on dit, on va écouter les arbres, on va les regarder pousser, et on va les écouter tomber, et puis on va laisser faire, et c'est ça l'avenir de la forêt, c'est une forêt à laquelle on ne touche pas, et surtout pas d'exploitation. Je pense que, du point de vue écologique, je parle même pas d'aucune considération économique, si on commence à diffuser ces genres d'idées, ça va être catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Si on diffuse l'idée que l'on peut, à l'échelle mondiale, baisser les rendements agricoles, c'est catastrophique. Ça veut dire qu'on va avoir des tensions sur l'usage des sols, alors là, qui à l'échelle mondiale sont beaucoup plus dures qu'à l'échelle française ou européenne. Et pour rebondir sur ce que vous disiez, évidemment que la législation, évidemment que le fait de fixer des règles, y compris à un moment donné des interdictions, des règles aussi ou des obligations qui sont toujours difficiles à manier. Hein, on a dit les taxes, c'est difficile à manier, mais la norme est aussi difficile à manier. Rien n'est facile à manier, mais c'est en général la combinaison des différents outils, y compris la récompense aussi. Moi, je pense qu'on n'utilise pas assez ça en France, par exemple. Dans d'autres pays, on le fait un peu plus. Moi, je pense qu'on devrait récompenser les comportements vertueux, y compris de la part de citoyens. Dans le domaine du traitement des déchets, c'est un débat qui a déjà plusieurs dizaines d'années sur la taxation pour financer la collecte et le traitement des déchets, ou redevance incitative, c'est-à-dire vraiment, on dit, bah voilà, plus vous triez, moins vous payez, parce que ou plus vous réduisez le volume des déchets, moins vous payez. Ça paraît du bon sens, mais alors, et la loi l'a prévu en France, depuis le Grenelle de l'environnement. Et en fait, je crois que vous avez 5 millions de foyers en France sur 25 millions qui fonctionnent avec ce système. Et dans les débats politiques, concrets, locaux, pas simplement nationaux, à l'échelle des dernières élections municipales, il y a à peine plus d'un an en France, il y a encore des tas de collectivités où on a dit « Ouh là là, non, surtout pas la redevance incitative, ça va être trop compliqué à gérer. D'ailleurs, ceux qui l'ont fait ont eu des tas de problèmes. Ben » oui, ils ont eu des problèmes au début, à le faire accepter, à le faire... Et puis une fois qu'ils étaient surmontés, tout le monde a dit bah, « c'est bien, il ne faut surtout pas revenir en arrière ». Donc en effet, c'est la combinaison des différents facteurs, la législation, la question parfois de la taxation, parfois de la rémunération, les subventions aussi, d'ailleurs paiement pour services environnementaux, c'est bien une forme de subvention, l'existence d'un marché, parce que c'est vrai que s'il y a quand même un marché sur un certain nombre de choses, eh bien ça permet aussi d'avoir une activité économique. Ce que vous avez dit sur la forêt est quand même très intéressant. C'est valable en France aussi. Hein.
pourquoi la forêt n'est plus très bien entretenue dans tout un tas de régions, pourquoi on la laisse dépérir sous l'effet du réchauffement climatique, parce qu'elle n'a pas une très grande valeur économique. Donc il faut absolument que l'on utilise l'ensemble de ces leviers, parmi lesquels évidemment aussi la sensibilisation, l'adhésion volontaire des citoyens, des acteurs économiques. Mais on sait bien que ça ne suffira jamais. C'est l'ensemble des leviers qui permet de transformer. Et quand on le fait, ça marche aussi. Il faut aussi le dire aux citoyens. Parce que moi, j'entends trop de discours en matière d'écologie qui disent non, tant que vous n'aurez pas tout fait, vous n'aurez rien fait, ce qui en général conduit à ne rien faire d'ailleurs, et qui décourage les gens. Ou qui tiennent des discours tellement catastrophistes au nom d'un catastrophisme qui serait censé sensibiliser les gens, éveiller les consciences, on finit par avoir un catastrophisme qui écrase toute velléité d'action. Et donc il faut absolument dire que dans tout un tas de domaines, nous avons progressé. Il faut arrêter de dire que tout se dégrade, que tout va mal, que tout était mieux avant et qu'aujourd'hui c'est toujours de mal en pis. Ce n'est pas vrai. Dans tout un tas de domaines, on peut prendre l'exemple des pluies acides et souvenez-vous, à l'époque, il y a 30 ans, c'était les pots catalytiques. Eh bien, vous aviez exactement les mêmes débats. Vous aviez d'un côté des gens qui disaient il faut agir vite, de l'autre côté des gens qui disaient si vous imposez les pots catalytiques à toutes les voitures, que vous supprimez l'essence sans plomb, vous allez étrangler l'industrie automobile. Et finalement, ça a été généralisé progressivement avec des obligations, avec des normes. Et ça a fini par être généralisé sans que ce soit du tout insurmontable, ni pour l'industrie automobile, ni pour le consommateur. Effectivement, merci. Et avant de passer la parole à Madame Durie pour réagir, j'aimerais juste rappeler aux internautes qui peuvent poser des questions. Puisque nous passerons rapidement après à la session questions-réponses. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions. Et nous les prendrons en compte. Et donc maintenant, je laisse place à Madame Durie pour sa réaction. Merci. J'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit par Monsieur de Rugy sur les progrès qu'on a fait. Effectivement, on a fait des progrès considérables en fait depuis les années 60 avec en fait la révolution verte qui est mondiale. C'est-à-dire qu'on a vraiment utilisé la chimie de façon massive, les engrais, etc. pour produire. On produit aujourd'hui trop par rapport à ce dont on a besoin. La FAO l'estime, je crois qu'on est à 3700 kilocalories par jour et par personne en moyenne, alors qu'on en a besoin de entre 2000 et 3000 kilocalories par personne, selon notre statut nutritionnel, notre taille, notre poids, etc. On produit trop dans le monde. Et on gaspille. Les chiffres de la FAO, c'est un tiers de ce qui est produit est gaspillé. Donc, effectivement, on peut dire que la productivité, c'est important de la garder très haut, mais il faut aussi mettre en balance le fait qu'on a été formaté, je pense, par le manque. C'est-à-dire qu'après la guerre, et nos parents parlaient de ça, on manquait en France. On avait vraiment des problèmes de sécurité alimentaire pour des questions de production. Aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas assez à manger, qui vont au resto du cœur, mais c'est une question de partage, c'est pas une question de disponibilité, c'est une question d'accès. Et je pense qu'à l'échelle du monde, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, se focaliser sur cette question de productivité à l'hectare, je trouve que c'est plus aujourd'hui l'enjeu majeur. L'enjeu, on peut accepter, à mon avis, dans beaucoup d'endroits, de baisser un peu le rendement par hectare. Dans les endroits où on est arrivé à un niveau tellement haut, avec un niveau de spécialisation tellement grand, qu'on met en danger, en fait, la qualité du sol, et la qualité de la biodiversité, oui, de l'environnement, pour produire autant dans les années qui viennent. Il y a déjà des pertes de rendement dans certains endroits. Et c'est pour ça que dans beaucoup d'endroits, on a inventé l'agriculture assez écologiquement intensive, avec les semis sous couverture végétale, des choses comme ça, parce qu'on on prend des risques en gardant des rendements aussi élevés avec la technologie telle qu'elle existe aujourd'hui. Qui a eu des effets positifs, hein. Moi je nie pas, mais voilà, je suis juste pour dire attention à ne pas rester enfermé dans cette question de se faire peur avec la démographie, avec cette question de productivité à l'hectare. Il faut faire attention à ça, c'est un risque collectif. Après, effectivement, si on parle d'endroits où la production à l'hectare elle est peut-être 10 fois moins que les plaines de la Beauce, ben on va dire oui, il faut augmenter la production dans ces endroits-là. Mais laquelle ? Est-ce que c'est des systèmes avec une seule espèce, avec la diversité, l'association élevage, légumineuse, céréales, par exemple, qui sont des systèmes nouveaux qu'on est en train d'inventer ? Voilà. Eh ben, à titre d'exemple,
Je suis allé sur un de nos projets au Kenya cet été. Vous avez une famille qui vit avec un hectare de terrain parce qu'ils y mettent un peu d'élevage, un peu de culture, de l'agroforesterie, enfin des arbres donc, fruitiers ou alors qui produisent du bois pour pouvoir cuire les aliments, construire leur maison. Et moi je me demande si la problématique c'est pas plutôt la monoculture plutôt que l'augmentation des, de la productivité. Parce que au final... quand on dit qu'il faut absolument, à tort visiblement, augmenter la productivité d'un hectare, moi j'y crois dans des contextes où les agriculteurs viennent empiéter sur les surfaces forestières pour pouvoir augmenter leurs revenus. C'est le cas dans énormément de régions du monde, l'Amazonie en particulier. Et c'est le cas en Afrique, c'est le cas dans bien des régions du monde. Cette lutte d'usage des sols entre l'agriculture et la forêt, c'est un vrai sujet. Bon, eh bien, la productivité d'un hectare agricole est un sujet. Mais je me demande si la réponse, elle n'est pas dans la diversification de l'usage de cet hectare-là et de ne pas en faire un hectare de céréales, mais en faire un hectare de plein de choses, avec de l'élevage, de la production de ressources vivrières, etc. etc. C'est un peu l'idée, ouais, ça rejoint ce que je voulais dire. C'est que la productivité, ce n'est pas d'une seule plante, mais c'est peut-être globalement d'un ensemble de produits à la fois animaux et végétaux. Voilà, pour repenser. Et finalement. Des services. Et voilà, et on ne va pas dire c'est la quantité de céréales par hectare, mais c'est la quantité de calories. C'est justement une diversité. Il y a des collègues qui ont fait ça au niveau nutritionnel, dire ben voilà, sur telle surface, on va produire une variété d'aliments qui vont apporter un équilibre nutritionnel, voilà. Ou sur un hectare, ou sur un territoire, parce que de se rapprocher à seulement un hectare, ça ne suffit pas, il faut peut-être penser en termes de territoire. Voilà. Pas seulement un hectare, mais un territoire complet. Voilà. Et puis, pas seulement nutrition, aussi services écosystémiques. Voilà. Ça permet de boucler cet échange, et puis, qui est très riche, mais du coup, il faut quand même qu'on passe à la session des questions de l'audience pour aussi pouvoir répondre à des interrogations qui sont survenues pendant les échanges. On peut commencer avec donc, Fatima Tafi qui demande, en parlant de mesures, puisque c'est quelque chose qui est revenu assez souvent dans la discussion, un label écologique mesurant entre autres les niveaux d'impact écologique des chaînes de production pourrait-il engager les entreprises ? Donc c'est peut-être cette question des labels dans lesquels on n'a pas forcément échangé. Et donc, Monsieur Robuchon, je me tourne vers vous pour, pour cette question, si ça évoque un levier potentiel. Je pense que c'est des pistes qui existent aujourd'hui, puisqu'il me semble que dans les dernières réglementations, il y a le sujet de l'affichage environnemental, alors qu'il y a son lot de débats, parce que justement, on l'a dit, on a employé le mot plusieurs fois ce matin de complexité, et il y a plusieurs critères. La professeure de l'Audencia parlait, illustrait bien qu'il y a une analyse de cycle de vie, c'est pas un chiffre en fait. Et moi-même, je disais, il faudrait simplifier les messages pour les consommateurs, mais on ne peut pas tomber dans le simplisme, mais je vous rejoins complètement. Et du coup, la problématique de ces affichages, c'est quels sont les critères qu'on va mettre en valeur, comment on va les pondérer. Et là, il peut y avoir de nombreux débats. Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est le carbone? Est-ce que c'est la nature et la nutrition? Voilà, il y a énormément de choses, en fait. Et c'est pour ça que je parlais de... À un moment, il faut qu'on arrive à se mettre d'accord côté sachant pour donner la bonne direction, en fait. Après, bien sûr que le consommateur, il arbitrera, mais il ne peut pas être aussi sachant que nous. Donc oui, aujourd'hui, ces labels, vous en parliez aussi tout à l'heure, ces affichages environnementaux, ils sont de plus en plus demandés côté consommateur, incités, voire obligés par la réglementation. Il faut juste qu'on trouve le bon niveau de curseur, selon moi, parce que c'est pas simple. Nous, par exemple, sur la notion juste de recyclabilité, qui est qu'un des tout petits critères, hein, quand vous regardez un produit, on peut avoir des heures de débat sur comment on fixe cette notion. Donc aujourd'hui, il faut, je crois, qu'encourager ces mouvements-là, mais il ne faut pas avoir peur de dire que...
attention, chercher la réponse simple, on tombe très vite dans le simplisme. D'accord, merci. Et peut-être, docteur Sotaïbi, si elle est avec nous, si vous voulez aussi potentiellement réagir voilà, à cet outil qui a été mentionné par un des internautes du label, comme voilà, levier potentiel pour aussi encourager les entreprises et peut-être voilà, introduire un nouvel élément de compétitivité. Alors effectivement, les labels ont leur intérêt à partir du moment où ils permettent à l'entreprise de faire la preuve de l'ensemble des actions qui sont mises en place et des mesures de contrôle qui y sont associées. Donc ça peut être effectivement un moyen intéressant de communiquer auprès des clients en B2B, donc quand on vend directement à d'autres entreprises, mais aussi auprès des consommateurs. On voit effectivement que ça peut être une motivation importante pour les organisations dans la mise en place d'un système de pilotage de leur responsabilité sociétale, donc de la mesure de leur contribution au développement durable. Et ce qui importe, c'est de permettre de développer des labels qui rendent compte effectivement de cette complexité. Et je crois que l'ensemble des acteurs s'unissent sur ces problématiques-là. Donc oui, ça peut être une piste, et une piste d'autant plus intéressante qu'elle permet à l'entreprise de parler à ses parties prenantes. Merci beaucoup pour votre réponse. Et puis, en termes de levier, on a une autre question d'un internaute, enfin Alice Critic, qui demande, dans la manière de changer les comportements, vous avez abordé la question des taxes, mais jamais des quotas. Comment la mesure des quotas pourrait-elle être appliquée et pensez-vous que c'est une mesure qui pourrait être une mesure plus égalitaire? Donc, je vais vous poser cette question, monsieur de Régie, puisque effectivement, ça pourrait être, on pourrait y penser en termes d'action aussi. Oui, sur le carbone, d'ailleurs, ça se fait hein, déjà. Il y a des quotas carbone. Alors, à une époque, il y a des quotas carbone qui ont été attribués, mais gratuitement. Donc, c'est sûr que ça avait un effet de levier qui était moins important. Mais dans le temps, quand même, on voit que c'est un effet de levier. On avait même imaginé, moi, quand j'étais ministre, j'avais réfléchi à ça, est-ce qu'on pourrait faire des quotas individuels, c'est-à-dire à l'échelle de chaque consommateur, dire, ben voilà, chacun a un quota annuel d'émissions de CO2, éventuellement il peut le vendre d'ailleurs, hein, il peut le céder à quelqu'un d'autre, parce qu'à ce moment-là, s'il fait des efforts, ben, il trouve un moyen de le valoriser. Évidemment, si on veut que ça ait une certaine efficacité dans le temps, bah, il faut logiquement que le quota soit décroissant dans le temps. Donc ça pourrait être un levier. Bon, à l'échelle individuelle, objectivement, aujourd'hui, c'est très difficile à faire parce que mesurer les émissions, entre guillemets, de CO2 d'une personne ou même d'une famille, c'est quand même très compliqué parce que chaque fois que vous allez acheter quelque chose, il faudrait que vous ayez votre carbon score, comme on disait. Et là aussi, quand on avait commencé à travailler sur un carbon score des produits, on voit que c'est très compliqué. D'ailleurs, ça renvoie à la question précédente hein, des labels. C'est l'intérêt du label, c'est ou des scores, hein, Nutri-Score, ça, il y en a plein. C'est de à la fois pour le consommateur d'éclairer son choix, éventuellement de mesurer, parce qu'on pourrait dire bah, à chaque fois que vous avez une consommation, après tout on pourrait avoir une carte, hein, et puis aussi de valoriser l'effort de l'entreprise, du producteur. On va dire, bah, moi je vais pouvoir dire au consommateur, ça vaut le coup de payer un peu plus cher parce que vous avez un produit qui est de meilleure qualité ou qui a un impact sur l'environnement plus faible. Mais il faut que les labels soient à ce moment-là quand même très sérieux, quoi, parce que sinon... Et on a vu des expériences ces dernières années qui, au début, ont été séduisantes. De dire que c'est des citoyens qui, par eux-mêmes, vont créer un label, une application. Je ne sais pas si je dois en faire la promotion, parce que, justement, elle a montré qu'elle dérapait un peu dans ses critères. Bon, on va le dire, c'est Yuka. Si vous voulez, vous compariez, moi-même, le premier, je me disais, tiens, je vais regarder là dans les magasins, j'hésite entre deux tablettes de chocolat. Est-ce qu'il y en a une qui a intégré dans sa filière d'approvisionnement en cacao telle ou telle dimension, une autre moins, puis il y a aussi le taux de sucre, et puis voilà, donc c'est multicritère, c'est intéressant. Et en fait, quand vous regardiez vraiment de près, vous voyez qu'il y avait quand même des biais assez importants et qui vous éloignaient d'une mesure objective et rationnelle des choses. Et donc, il faut que c'est pour ça que les labels auto-organisés et qui ne sont pas contrôlés. Pourtant, là, ce n'est pas du tout fait par des entreprises. Hein. Mmh. Vous voyez que ce n'est pas une question de dire « Ah, c'est les producteurs qui s'organisent eux-mêmes et puis, en fait, ils nous cachent la vérité. » Non, c'est des citoyens, mais « Ah, ils ont un des biais. »
mais ils ne le disent pas, forcément. Et après, vous avez un score, donc vous dites, ah, oh, ben voilà, je vais prendre celui qui a le meilleur score. Ah, ben c'est rouge, ah, ben non, j'évite. Ah, c'est vert, je prends. Donc, sur les labels, attention quand même à la rigueur et au côté évolutif, c'est-à-dire que vous pourriez dire, il s'améliore d'année en année. Voilà, c'est bien. Et du coup, sur les quotas, c'est pareil. Donc, je pense que c'est tout à fait utile à l'échelle des entreprises, à l'échelle du carbone, c'est un outil. Mais de toute façon, il faut arrêter de croire qu'il n'y a qu'un seul outil. Vous savez, on a dit, c'est la taxe carbone. À une époque, dans le débat politique français d'ailleurs, vous aviez, tant que vous n'aurez pas une fiscalité écologique sur le carbone, vous n'aurez rien fait contre le climat, c'est la seule façon, il faut frapper au portefeuille, etc. On l'a fait. On parlait du législateur. C'est le législateur, c'est-à-dire à un moment donné, c'est le député, il appuie sur un bouton hein, pour contre abstention au moment du projet de loi de finances. On est en train d'en débattre en France. Là, ça démarre aujourd'hui. Eh bien, en 2017, on a augmenté fortement la taxe carbone. Elle existait déjà. Hein, créée en 2013, il y avait une trajectoire, on dit, bah, la trajectoire, on va la rendre plus rapide. Et sur le moment, personne n'a rien dit. Alors, ceux qui disaient, il n'y a que ça... Non, pas, se sont bien gardés d'applaudir, c'est sans doute leur demander trop d'efforts, mais ceux qui disaient « Ah mais attention, c'est le consommateur qui va payer », n'ont rien dit non plus. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, les prix des énergies fossiles n'étaient pas très élevés. Et puis, quand le prix des énergies fossiles sur le marché mondial a fortement augmenté, comme souvent dans ces cas-là, assez brutalement, eh bien là, d'un seul coup, on a dit « Ah, c'est la taxe carbone qui est responsable bon. ». Et en plus, on n'avait pas de mécanisme de baisse. Donc on a dit « Ah, il faut trouver d'autres solutions ». Et en France, d'ailleurs, on est toujours là-dedans, puisque la taxe carbone, elle n'a pas été supprimée, mais sa trajectoire a été stoppée. C'est dommage, mais c'est dommage aussi qu'on se dise que c'est le seul outil, bien sûr. Et les gens qui vont dire, non, mais il faut que ce soit les industriels qui fassent des efforts. Mais ils font des efforts, puisqu'on leur met des normes. Vous savez que sur les voitures, par exemple, on dit, vous ne pouvez pas vendre des voitures qui vont émettre plus de tant de CO2 par kilomètre. À partir de telle année, c'est telle norme. À partir de telle... Donc, c'est des efforts. Mais c'est normal parce que c'est justement parce qu'on joue sur plusieurs leviers qu'on va y arriver. Merci beaucoup pour cette réponse et finalement qui fait peut-être une conclusion sur tout l'ensemble des leviers qu'on a pu aborder. Malheureusement, en fait, nous arrivons à la fin du temps imparti. Donc, c'est un échange très riche, effectivement, qui a permis de peut-être de mettre en lumière voilà, l'importance de penser de nouveaux modèles économiques, de changer de paradigme dans la façon de penser les systèmes de production et de consommation, tout en étant conscient de la complexité des niveaux, des échelles d'intervention, des différents acteurs qui sont impliqués, l'interconnectivité entre différents systèmes, différents pays. Et effectivement, voilà, cette réflexion a continué sur les outils de mesure qui permettront peut-être voilà, d'avancer, on l'espère, plus vite pour cette transition. Et aussi sur les différents outils à mettre en place pour avancer vers une économie, on l'espère, régénératrice. Je vous remercie vraiment à tous d'avoir contribué. Et merci aux internautes d'avoir envoyé leurs questions. Et puis, rendez-vous pour les prochains événements, les rencontres du développement durable et à bientôt.